Et la tour Peverlande qui est juste derrière. Voilà. C'est beau, hein. Les grandes orgues. Et là, Gilbert, il remplace Olivier, alors, très avantageusement. C'est pour toi, là. En 1535, et selon un chroniqueur anglais, dans la cathédrale Saint-André se trouvent les plus belles et les plus grandes orgues de toute la chrétienté. Malheureusement, suite à une succession de restaurations plus ou moins efficaces, les orgues sont vendues et les tuyaux fondus pour l'armée. Aujourd'hui, c'est l'orgue construit par Daniel Gonzalez, remarquablement harmonisé par Jacques Bertrand, et inauguré en 1982 par Jean-Jacques Grunewald, qui se trouve à la cathédrale. Situé à 15 mètres au sud-est du chevet de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, la tour, bon, on en a parlé, oui, la tour Peverlande, en est le clocher. Elle doit son nom à l'archevêque Peverlande, qui permit sa construction et en posa la première pierre en 1440. Donc la tour, elle date du 15e siècle. On va aller voir les gens qui sont passés. Non, on n'a pas le temps. Non, on ira demain. Demain. On ne peut pas y aller. La tête à Olivier parce que, que sa fille ne connaissait rien. Il ne reste que quelques travées et arcades envahies par les herbes folles qui charmeront les âmes romantiques. Avez-vous l'âme romantique? Oui. Oui, c'est bien. On va aller voir les ruines du palais Galien. Allez, suivez le guide. On va suivez les pousser. Chapeau noir. Jeannette, faut dire la tête à Olivier parce que sa fille lui avait dit que c'est pas beau.
Mais le truc qui était là-bas, c'était bien, construit pour sa femme. Eh, c'est le truc qui était là-bas pour sa femme. Il faut la sieste. Ouais. Ça, c'est du gallo-romain. Attention, là. Oui, c'est lui, il a des écrases, ça va. Et j'aurais même pu dire, mon coup, c'est la voiture à Jackie. Il monte dans l'autre voiture, on a vu. Ah oui. Eh, la voiture à Jackie. J'aurais pu dire, mon coup, c'est la voiture à Jackie, mais je l'ai pas dit. Alors là, c'est ça qui fait. Ah. Pourtant, non mais tu vois, c'est à savoir lequel aurait la plus belle zone. Ah bah écoute.